Salut. Comment ça va? Moi, ça va. Super. Bien. Merci. Ah, vous vouliez pas savoir? Ah bah super les gars, bah sympa. C'est super, après toutes ces années, franchement c'est vachement sympa. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va regarder des humains débiles. Ils sont vraiment débiles. Je vous propose aujourd'hui de retourner sur le compte Twitter de pourquoi les humains vivent moins longtemps. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une page qui regroupe plein de vidéos qui expliquent pourquoi les humains vivent moins longtemps. Alors y'a pas de mort, hein, c'est juste pour t'expliquer qu'on vit moins longtemps parce qu'on est débile en fait. Pourquoi on vit moins longtemps? Parce qu'on est con. Voilà. Alors sans plus attendre, c'est parti. Mais qu'est-ce... T'as vraiment des gens. Ils ont des expériences les plus cons. Mais des trucs que t'as jamais pensé faire. Y'a un gars, il se dit: putain, je vais faire un truc que jamais personne n'a fait. Je suis un putain de génie. Faut plus de gens comme ça qui innovent sur cette planète. C'est pour ça qu'ils ont pas réouvert les salles de sport. Attends, ils ont vu lui. Ils se sont dit: on peut pas réouvrir les salles, les gars. Regardez, ils vont tous faire ça. On peut pas réouvrir là. Alors lui, il est giga con, lui. Le gars, c'est un VIP au commissariat. Oh, Momo, arrête, là, c'est bon, on a déjà préparé ton lit. On mange pizza ce soir, allez, hop, rentre à la maison, maintenant. C'est un truc du cul qu'il a dans ce comme tatouage là. Moi le premier truc qui m'a tité c'est son tatouage là. Déjà le gars de base ça sentait qu'il était pas net. Quand tu vois le tatouage tu te dis: qu'est-ce qu'il va encore faire? Oh le giga teubé. Ça doit faire mal en vrai. Mais ça c'est mon sac à dos aussi, par terre. Ça c'est à moi monsieur, c'est mon sac. Il y a des clous de maison. Quoi? Ça c'est ma bouteille de vin. Lâchez ça. Vraiment, je rigole vraiment pas. Vous restez ici, on a la police. Est-ce que c'est mes affaires ou vous avez essayé de voler? Il est trop chelou ce gars. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il tourne autour du... Qu'est-ce qu'il fait ce gars? Il est trop chelou. Il se fait quoi? Ça c'est giga karma. Je m'attendais pas à une fin comme ça, c'est génial. Je veux juste le revoir se taper le mur en temps. Oh, regarde-moi, c'est trop drôle, c'est génial. J'adore. C'est vraiment un gars qui a pris l'extincteur d'un métro pour faire ça. Genre, le gars il s'est dit: vas-y, je suis Harry Potter mon pote, je prends l'extincteur du métro. Ah, j'y vais à Poudlard. Quand je vous dis qu'il y a vraiment rien qui va dans l'espèce humaine, ce truc là il est censé être mis pour les sols glissants. Ça veut dire qu'il est certainement sur un sol glissant. Et qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, je vais me faire des bottes avec un truc qui m'avertit que le sol il est glissant sur le sol glissant. Je vous le dis, il y a rien qui va dans l'espèce humaine. Try getting up. Alors franchement, elle est super malade, je sais pas comment elle a fait, mais alors lui il est trop fort quand même. J'adore les gens comme ça, franchement, qui ont un humour comme ça, c'est génial. C'est le même gars qu'avant, c'est le... Il est trop fort ce mec. J'adore, il est trop fort ce gars. Elle va glisser. Ça, c'était pas prévisible par contre, ça. Le fromage préféré de Brigitte Macron. C'est quoi le fromage préféré de Brigitte Macron? C'est le président. Putain, rien pour une blague. Pour une blague, vous êtes... Mais monsieur, mais monsieur, il a rien fait. Laissez-le. Mec, lui, c'est l'idiot du village. J'étais en train de me dire: attends, il est en train de parler à la police? Je montre pas mon attestation, mais... Hey, c'est quoi le fromage préféré de Brigitte? Ah, c'est génial ça. Ça, j'aimerais trop faire ça une fois en vrai, juste pour voir la réaction des gens dans le magasin. Oh putain, la violence. Il s'est stoppé net. On attend vu comme ça, on respecte la nature. C'est génial. Ah bébé, viens, je vais te montrer l'océan. Sous l'océan. Bouge.
quoi cette baston? Zéro crédibilité, mais ça doit être tellement drôle d'assister à une baston comme ça en vrai. T'as même pas besoin de payer pour le spectacle, il est gratuit. Ça c'est pas... Jimmy, mec, mais... Et ça c'est pas... Eh, non les gars, faut pas jouer avec ça, vraiment. Oh, mais tu crois qu'il va faire quoi, putain, l'alligator, là? T'as cru qu'il allait rester... C'est ton pote ou quoi? Les gens, ils réfléchissent pas, c'est un truc de malade. Vous voulez une petite anecdote avec ce truc? J'ai fait un truc comme ça il y a environ un an. J'étais avec des potes et j'ai pris un élan de fou. Et je leur ai dit, les gars, je vais exploser le score. Sauf que j'ai mal visé, je suis parti dans le cul. C'était ridicule. Du coup, je ne joue plus à ce truc-là. Oh, le giga bâtard! Alors, la porte est ultra stylée, j'allais le dire. Elle est vraiment trop cool, sa porte. Par contre, tu nous expliques pourquoi il y a une autre meuf qui est sortie pendant que ta femme rentrait chez toi? Elle est pratique, cette porte. L'agent commercial, il a trop dû vendre sa porte comme ça en mode, mec, tu peux avoir deux meufs, mon pote. C'est le retour des meilleurs ouvriers de France. Je suis en train de regarder pour acheter un appart. Si j'ai un gars comme ça, mec, sur mon chantier, dans mon appart, qui se pète la gueule le premier jour et qui se met en arrêt maladie, le chantier, il avance plus, mec. Et puis l'autre à côté, il avait pas l'air très motivé à travailler, donc... Mange du plâtre? T'es sérieux, là? Mange du plâtre? C'est la meilleure équipe de chantier, mec! C'est écolo, ça! Entre l'autre avec son échelle et elle, c'est bon, mec. Je pense que t'as la meilleure équipe, là, vraiment. Pour tes travaux, c'est génial. Par contre, elle est assise derrière. Ah, c'est bon, je vois. Il va démarrer, il va se péter la gueule. Bon, on lance les paris! On lance les paris, allez! Voilà, c'était sûr! Par contre, ça fait une belle vidéo de mariage! Alors là, ils sont un super souvenir! Hein. Ah, c'est le même mariage ou quoi? C'était le fils des mariés, ça. T'avais le mari et la femme, et puis t'as le fils. Ouais, c'est la... C'est toute la famille est comme ça, en fait. Oh là là. Mais quel con. Ah, oh, ça se fait tellement pas, ça. Mais attends, le gars, il part en courant. Moi, je lui cours après. Il s'est trompé entre mère et mairie. Attends, quoi? Ça va dans un niveau vraiment très bas. Il sait même pas pourquoi il écrit ça, le gars. Il sait même pas pourquoi il est en train de faire ça. Il va se faire arrêter, il va lui faire. Mais pourquoi t'as fait ça, il va faire? Je sais pas, wesh. Ne me dis pas que tu vas essayer de... Mec, il y a des trucs... En fait, c'est tellement prévisible, tu vois. C'était sûr. Hey, chérie, regarde comment je suis trop... C'est après le mariage, tu vois. C'est toujours la même famille. Le gars, il cherche son téléphone. Tiens, je comprends pas. Ça sonne la sonnerie, ça sonne du whisky. Stylé! Mais c'est méga stylé! Ah, c'est tellement dommage! Il était bien parti! Hey guys, check this out! Oh, rats! Hey, what do you think you're doing? Hey, give that back! No, no! Il y a vraiment des gars super chelous. Quand même, il y a des gens chelous. Hein. Bon, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a extrêmement plu. C'est toujours un plaisir de faire des pourquoi les humains vivent moins longtemps et de nous rappeler à quel point nous sommes extrêmement stupides. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la partager avec vos amis. Ils se doivent informer à quel point l'être humain est très stupide. Ils se doivent. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. We'll be right back.
Ah, j'y vais à Poudlard.